Amen. Il est le premier responsable de ce ministère, qui est le ministère de la compassion des âmes. Il est le vice-président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Ce matin, nous avons tous acclamé, et pour l'arrivée du serviteur et le prophète Joël Crasso, que je vous présente. Est-ce qu'on peut prédire Jésus? Rendons toute la gloire, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire parce que tu es merveilleux. Merci, j'espère, pour ta présence et merci de vous bénir. Seigneur, conduis ce culte. Je m'en entends entre très de ta main. Utilise ma personne et bénis chacun d'entre nous. Bénis-nous, Seigneur. Et merci au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Trop petit. Alléluia. Amen. Béni ainsi soit-il. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Nous sommes un culte ce matin. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. N'est-ce pas? Parce que durant toute cette semaine, il nous a fait du bien. Il a visité nos maisons et nos familles. Amen. Amen. En guise de reconnaissance, nous sommes dans sa présence. Parce que la Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Liapa anaki ogi oyana sayi liapa adolaka oyana sayo Jesus oyana sayo. Mateo, 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 Mateo,
C'est Dieu, aussi, c'est-à-dire il est grand, il est plus grand que les pétucheurs, il est plus puissant dessus du maraboutage, au-dessus du fétichisme. Amen. Amen. Et la seigneurie de Jésus-Christ, ça ne se discute pas. Amen. Ça ne doit même pas l'objet d'un débat. Ou bien, Amen. Ça ne doit pas l'objet d'un débat. Il est Seigneur, point bas. Si tu ne crois pas, on va te montrer à plus. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Alléluia. Eli est la gana à mon macoro que moi. Avant que le cœur est que moi, à qui piao. Comment souillonna à mon macoro que moi. Que le cœur est que moi, à qui piao. Yeah.
tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Nous bénissons la présence de notre Dieu. Nous sommes dans cette présence glorieuse du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Nous sommes un culte d'adoration. Et nous rendons gloire à notre Dieu. On dit amen. La mission de la gloire. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Monsieur est en costume, c'est maintenant que je vois ton visage. Hein. Eh bien, le monsieur était très souffrant qu'il venait ici, tous ses pieds étaient enflés. Ouais. C'est ça, non? Terriblement enflé. Et puis, un matin, le Saint-Esprit l'a visité. Amen. Il y a eu quelque chose qui est percé, et son pied s'est mis délivré. Amen. Alléluia. Parce qu'il était déjà programmé la mort, c'était fini pour lui, et puis Jésus-Christ l'a délivré. Amen. Ici est un lieu de miracle. Amen. C'est Béniel qui est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, là où Dieu réside. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, je vais passer par les annonces. Amen. Amen. Je vais parler là de notre voyage au niveau de Maroc. C'est confirmé et c'est pour le 26. Nous démarrons une retraite spirituelle au Maroc à partir du 26 au 30 août. Amen. Amen. Il nous reste que quelques jours d'ailleurs. Je pense que la première vague, notre équipe sera là-bas à partir du 21. Voilà, à partir du 21 déjà au Maroc pour tout organiser. À partir du 6 au 30 août, nous avons une retraite spirituelle précisément à Rabat. Amen. Amen. Voilà, grâce à Dieu, nous aurons l'occasion de partir avec une forte délégation cette fois-ci. Amen. Voilà, donc, tous ceux qui. Il y a beaucoup de personnes déjà inscrites sur la liste, déjà, beaucoup de personnes. Donc, ça sera une grande retraite par la grâce de Dieu. Et c'est pour dire que c'est confirmé, il n'y a pas de problème. Les frères sont déjà en train de s'occuper de l'hébergement et tout ça. Voilà, donc, c'est confirmé, c'est du 26 au 30 août. Amen. Amen. Et ce moment-là sera des moments très glorieux et des moments sérieux. Il aura peut-être hors caméra parce que les gens demandaient ça. Il ne faudrait pas confier d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes qui sont
musulmans ne voulaient venir discrètement, se faire délivrer, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais le séminaire sera filmé. Parce que la matinée, on aura des séances de délivrance. Mais le soir, les séminaires, les enseignements seront vraiment filmés. Il y aura des rencontres avec vous dans le secret pour qu'on puisse vraiment vous aider. Amen. Donc c'est confirmé, c'est du 6 au 30 août à Rabat. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, non, du 6, du 26, pardon. Autant pour moi, excusez-moi, je reprends encore. Du 26 au 30 août. Amen. Je reprends, c'est du 26 au 30 août. C'est M. Dioro Paul à Rabat. Vous l'appelez, vous avez dit à la vidéo déjà en ligne. Tout à l'heure, après Amen, j'aurai l'occasion de poster encore d'autres vidéos pour plus de précisions par rapport au numéro du frère. Donc je reprends, c'est du 26 au 30. Voilà, du 26 au 30 août. Amen. Nous aimerons commencer avec tout le monde, c'est important. Hein, souvent, on démarre le séminaire, il y a d'autres qui viennent. Non, on aimerait démarrer avec tout le monde. Donc, vraiment, il faudrait que tout le monde soit présent à partir du 26 pour que vous soyez tous dans le temps. Et ça, c'est important pour nous. Amen. Nous allons vous donner des enseignements de pointe. Nous aurons l'occasion de vous donner aussi des gadgets tels que les t-shirts du prophète Crasso, tels que les CD gratuitement. Nous aurons l'occasion de vous donner aussi des polycoles de prière à cette rencontre de prière. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, je vais aussi parler de le programme de Skype. Vous savez, nous avons un ministère international. Nous aurons l'occasion de présenter ceux qui sont dans la salle. Parce que nous avons beaucoup d'étrangers. C'est un ministère international. Amen. Et qui est suivi sur le YouTube par 68 pays. Même les Arabes nous suivent. C'est suivi par 68 pays. Et parce que ce ministère démystifie la sorcellerie. Voilà, nous démystifions la sorcellerie. Pour nous, la sorcellerie n'a pas de sens. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Or, les gens avaient peur de la sorcellerie. Le sujet effraie beaucoup de personnes. Je me souviens que dans le mois de janvier passé, je pense bien, nous étions à Casablanca, pour organiser un programme. Et il y avait une église qui était chargée d'organiser cette retraite. Et quand on a positionné les terres, comment être délivré de la sorcellerie, les gens ont commencé à avoir peur. Ils sont approchés du pasteur pour le sujet trop fort. Voilà. Amen. Et le pasteur dit qu'il a été attaqué, donc les gens avaient peur. Mais pourquoi avoir peur de celui que Satan, Jésus-Christ, a vaincu? Amen. Jésus a vaincu Satan. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que Jésus-Christ au-dessus des démons et de Satan. Et le mal de l'Afrique, c'est la sorcellerie, vous le savez bien. Amen. C'est pour cela que les gens nous apprennent de temps en temps pour animer les émissions de débat parce que le sujet, dites peut-être à vous, les gens avaient tellement peur d'aborder le sujet. Amen. Dieu nous a point pour démasquer la sorcellerie. Pour nous, c'est le dévoilement et la destruction. Voilà, nous dévoilons et nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Selon les principes bibliques, 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. D'autres pasteurs disent, mais le prophète, est-ce que Jésus a une fois attrapé sorcier? J'ai dit, mais aussi, j'avais sorcier au temps de Jésus. Jésus allait attraper sorcier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une réalité. Jésus-Christ était venu apporter une réforme dans le système hébraïque, judaïque. Alors Jésus-Christ, quand vous lisez un peu dans Marc, le chapitre 16, vous comprenez à partir du verset 16 là-bas, Jésus dit, à mon nom, vous saisirez les serpents. Or, c'est des symboles. Jésus n'a pas dit au pasteur d'aller prendre des serpents, des pipes en brousse. Il dit, à mon nom, vous saisirez les serpents. Or, le symbole du diable, c'est le serpent, qui est le diable. Or, saisir un sorcier, c'est le symbole de saisir le serpent. Amen. Voilà, donc, il y a une réalité en Afrique, c'est la présence de la sorcellerie. Ça, c'est clair. Vous allez échanger avec tout le monde dans les entreprises. Vous allez voir qu'une personne, quand elle commence à émerger, comment on te propose un poste supérieur à celui, certaines personnes vont commencer à t'attaquer par les pratiques mystiques. Or, la définition de la sorcellerie sont du mot lanceur de sort. Celui qui lance un sort est un sorcier. On dit amen. Amen. Or, la spécialité de notre ministère, c'est d'attaquer la sorcellerie. Amen. Nous mettons tout sorcier au défi. Et c'est cela que par la grâce de Dieu, nous sommes au niveau de la télé. Ce n'est pas pour frimer, non. Parce que c'est un grand moyen de communication. Or, la télé était utilisée par les grands mystiques de la Côte d'Ivoire, que vous connaissez peut-être. Et depuis que nous avons commencé à nous positionner la télé, personne ne passe du DMO. Je chante de prier Dieu pour qu'un jour, je rencontre Aziz 47, lui et moi, à la télé. J'ai déjà proposé aux gens, je veux une mission face à face avec lui. Qu'il me montre que fétiche est plus fort que Jésus. Et puis on va parler de lui à moi. Amen. Pour vous dire,
arrêté de fréquenter le maraboutage, il n'a rien. Moi, j'étais le plus grand buveur de Nasigi, ça ne m'a rien apporté. Les sorciers ont besoin de moi, ils m'ont brisé. Ils voulaient me manger à Bessie, puis Dieu m'a délivré. Mon papa était le grand, qui a fréquenté le grand marabout. Ils l'ont mangé un matin, un sauce arrachée d'abou, un plat, un tôt. Les sorciers l'ont mangé. Donc ils ont tout détruit autour de moi. Et puis Jésus-Christ m'a aujourd'hui délivré. Donc j'ai rien dans le maraboutage, frère. J'ai rien dans le fétichisme. Amen. Jésus-Christ au-dessus de tout. Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Amen. Oui, il y a souvent là, prophète, tu es Dieu. Je ne suis pas Dieu. Moi, j'ai vu ma foi chrétienne, c'est ce que j'ai dit aux gens. Prophète François a été converti. Il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Dieu, dans sa volonté, l'a choisi comme un serviteur. Point bas, ça s'arrête là. Je ne peux jamais être Dieu. Je ne peux jamais me comparer à Dieu. D'ailleurs, même s'il m'utilise, il reste Seigneur. On dit amen. À lui seul la gloire. Je vais essayer de parler un peu de nos programmes au niveau de l'Europe. Et je vous confirme que c'est très bientôt. J'ose même pas faire un débat maintenant. Parce qu'il y avait tellement de choses. C'est passé autour qu'on a annoncé que le prophète Bena Baï avait tellement de systèmes mis en place. Et ça m'a beaucoup aidé. Au fil du temps, j'ai fini par comprendre que c'était vraiment important pour moi ce recul. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Que ceux qui étaient la base de ceux qui devaient m'inviter étaient la plupart mystiques. Et c'était les hommes de business qui nous invitaient sur le terrain pour l'argent. Merci ma fille. C'est madame Damo. Elle est venue fraîchement de Paris. Elle a même contribué à tout ça. Avec Diamant, je dis bonjour à Diamant de passage, parce que tout à l'heure, je ne ferai qu'à de son nom tout à l'heure. Madame Diamant, c'est elle en question, que le fameux Assoumou a narqué. Oui, parce que discutait avec nous, il dit aux gens, c'est faux, je pense chez lui. Or, elle nous a signalé qu'il avait déjà pris de l'argent avec elle, cette sœur. La sœur nous a signalé qu'ils avaient commencé déjà à vendre les tickets avant que j'arrive sur Paris. Ils avaient déjà commencé à vendre les tickets. Oh, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une question de ticket, les gens prenaient l'argent. Or, oh, elle a dit, il faut que je donne l'argent pour soutenir le ministère du prophète. Et quand nous avons su ça, comme madame le Diamant qui organisait cette rencontre au niveau de Paris, la sœur est rentrée en contact avec elle. Mais heureusement qu'elle elle voulait être discrète, elle n'a pas voulu que ça soit filmé. Le gars lui a remis l'argent, j'ai suivi ça, j'ai dit, donne l'argent de la dame. Elle allait, puis il a donné l'argent, la voici là, elle est présente ce matin parmi nous. Vraiment, merci. Merci pour ta présence. Elle avait son mari, qui Dieu vous bénisse. C'est des gens qui nous suivent depuis la France. Elle me connaît vraiment. Oui, j'ai dit. Tu connais bien ma bouche. Je me connais très bien. Amen. Merci pour ton parfum. C'est un parfum que je cherchais. Ah oui. Amen. Merci beaucoup. Ça veut dire que tu me maîtrises. Oui, elle me maîtrise. Ceux qui me regardent, elle me maîtrise. C'est pour le parfum que je cherchais. Elle me touche. Merci beaucoup. Amen. Merci. Et puis, merci. Elle sait bien que je suis un fanatique de la marque Adidas. Elle avait son mari, il m'a donné un bon colis hier. Et c'est elle qui a remis ce colis au groupe musical. Voilà, c'est elle qui a remis ce colis-là au groupe musical. Monsieur, les musiciens, c'est le groupe musical. C'est pareil chez nous ici à Dibo. Donc, elle a fait des dons. Elle vous a fait des dons, c'est toi qui es le responsable du groupe musical. J'aimerais qu'on remette ça.